Yes, salut guys, c'est MonoJP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en vacances et on s'en va rouler pour la première fois le Mont-SM. Bien. Alors, première trail de la journée, on va aller faire l'Alléluia. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais rouler, je sais que c'est une noire. Oh, un petit peu plus haut que le sommet 1. Sommet 2 plutôt. Ça ici. Petit peu de boîte. Ça. Well, that's fucking cool. Fun de découvrir une nouvelle montagne. Fait que encore un petit peu de boîte. Évidemment, il y a beaucoup mouillé dans le début de semaine. Fait qu'on donne un break au centre. Peut-être que je manque d'air en arrière, hein, je dis ça de même. Je vais aller gonfler mon pneu en partant. Fait que ouais, un beau petit single track avec des roches pour commencer. Well. Ouais, c'est parfait pour commencer. Pas trop rough. Juste assez naturel pour se réveiller. Testez voir si le bug est bon. Et on arrive dans le bas de la montagne. Fait que là, on a l'air d'avoir un petit parc ici. Oh, le beau réchauffement, toi! Ça me parle. Next. Yes, thank you. Bien. On a la chance d'être avec des locaux. On va aller essayer la sauterie. Voir qu'est-ce que ça dit. Super. Ça drop-tu? Non, ça oui. Ah! Oh! Il va à gauche, lui. Facile. Bien. Sauterie, run 2 de 2. J'ai fait avec les locaux, ça a bien été. Là, on va se la... locké en tête! Parce que peut-être que la première fois c'est un coup de chance. Mais peut-être pas. Oh, un petit peu court. Ça c'est bon. Super. Ça ne drop pas. Lui il drop. Super! Bon! Jusqu'à essayer le step-up, mais on m'a dit que c'était normal. Nice! Hey, c'est facile! Next! Alors, on est rendu au sommet 3. Malheureusement, la Gulliver va être fermée pour aujourd'hui. Je viens de jaser un petit peu avec un des builders. Ils vont l'ouvrir demain. Donc, ils ont eu beaucoup de travail à faire. En entretien avec la pluie de la dernière année, disons. Non, disons les deux dernières semaines. On a une belle double noire qu'on peut aller faire. On voit un petit peu qu'est-ce que c'était. On y retourne dans la Black Sabbath. Fait que j'avais rejasé avec des riders locaux ainsi que des builders. On voit un petit peu la piste ressemble à quoi. Je l'ai vu de mes yeux vus. Fait que c'est pas compliqué. C'est... 4 slabs style LB2. C'est aussi simple que ça. Ça ici, la 2. Ah. Ah. Mais c'est pas fait avoir celle-là. Ah. Ça ici, une cassure dans la 3. Numéro 1. Ah. 4 de 4. Puis 7. On ouvre la machine. Et voilà le shark fin.
C'est comme ça le gros feature de la piste à mon avis. C'est pas les 4 slabs, c'est le double à la fin. C'était une bonne vitesse pour l'éclairer. Ah, that was nice, ça c'est une belle run. Pousse pas ta lock. C'est une double noire. Je dirais que c'est une Proline. D'habitude, je roule les Proline blind. Mais on va se garder une chaîne, on va les regarder avant. Alors. Oh, tu me niaises. C'est ça. Ça, c'est une Proline. Je vais t'en donner une affaire de fou, genre SDM. Fait que... Donc, Proline à droite. Ah, c'est un drop sur la slab. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Quand même haut. Quand même très haut. There goes nothing. Et voilà. Ah, ça c'est cool. On va cliquer l'autre. Ok, ça c'est un roll-in. Merci. Fait que ça c'est fait. Et je crois qu'il reste un troisième feature. Fait que c'est des bons features avancés. C'est des bons features avancés qui font quand même très bien. Ça. 3 de 3. Je pense que c'est pas mal la fin. Ah, voilà. Good! C'était la pousse pote à lock. Ah, that's cool. Je file pour un breuvage. On va faire le retour par la tricoline 2. Le builder qui m'a suggéré de faire ça pour retourner au parking. Et quitter le sommet 3. Ah. Meow. That. Ok. Ah. Sont-tu à faire attention, mais oui, très bien. Oh wow! C'est juicy! Belle petite bleue, toute flowy. Ah wow! Oh that's cool! Fait que la plus accessible à date dans ce que je vous ai montré. Je note pour moi-même un petit clic de low speed en avant. Peut-être deux. On finit dans quoi? Ah, dans le flow, ok. Fait qu'ils font extrait pour pas te faire le double, mettons quelqu'un moins avancé. Ah, c'est bien pensé. Ah. C'est donc belle fun, cette petite montagne-là. On vient de prendre une petite pause, une demi-heure, on a relaxé, on a pris un bon petit breuvage, ça fait tout bien. Pour se remettre dans le feu de l'action, on a un beau petit parc comme c'est à la base de la montagne qui est incroyable. On va aller faire ça pour se réchauffer, se remettre dans le beat un peu. J'ai aucune idée à quoi m'attendre, vu que je suis droitier, on part à droite. Ah, un petit baby drop. Ah, il faut pas trop les kicker! Number two! Oh! On arrive avec des doubles! Qui sont tous très bien!
Numéro 3, encore. Bon. Ça de même. Ça de même. Oh! Et voilà le cannon. Je savais que la bonne vitesse, ça se fait très bien. Sautez-les pas trop. Ça en prend pas tant. Bah, 4 de 4. Shark. Ça ici. Wild tail. Oh, que ça se fait bien. Alors, voici donc une piste qui s'appelle la Old School. Bah, j'ai fait une petite run dedans, voir un petit peu qu'est-ce que ça disait tout à l'heure. J'ai ajouté un petit peu le setup de suspension pour que ça soit plus adapté. Parce que aujourd'hui, pour mon SM, je fais pas mal plus des gros sauts que d'autres choses. Ça fait que de faire de la trail comme ça, qui est quand même assez accidenté. C'est sûr que la suspension ne travaille pas pareil. Et je viens d'enlever mon Push 11-6. Je l'ai remplacé par le Super Deluxe, fait que c'est sûr qu'on parle pas de la même qualité de choc. Les petites affaires optionnelles que j'ai comme pas réussi à faire. Boing! Ah. Wow! That's fucking cool! Un peu de boîte! Ah. 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 Oh my god! Est-ce que ça brosse? J'espère de là que ça pue. Ram the shore. Et on venait ici. Et t'es sketch ce run là. Voici la new school. Ça ici. Rock Garden. Hey, ça me fait penser à Burke. Pas Burke Burke, mais Burke avec des chaises là. Mauvaise ligne. Oh, une bouteille d'eau. Ça va bien, ça va bien. Sûrement un drop. Oh my god. So fucking cool. Les poulets reviennent. Ah, oh, that's nice! Oh, je ne m'attendais pas à ça! Yay! Yeah! C'était la new school! Oh my god! Yes, ça va être la fin du mon SM. Pour vrai, j'ai trippé aujourd'hui. J'ai fait une estifie de grosse journée. 23 km, plusieurs pistes que j'ai faites deux fois. Pour vrai, il y a des petits bijoux ici, que ce soit la pousse potaloc, que ce soit la sauterie. New school, old school, pour vrai, c'est insane. Ça fait que aussi la montée la plus progressive de tout ce que j'ai fait, la petite T-bar. C'est plus tes descentes qui vont te fatiguer que tes montées. Ça fait que c'est assez spécial. Fait que seal of approval pour ça. Le centre est trippant pour vrai. On a vraiment l'impression de faire de la chaise dans une place avec une remontée. On a accès à plein de trucs super le fun. Va falloir que je revienne. Pour vrai, j'ai plus la force de faire d'autres pistes. Il doit rester la sea line à faire qui va être pas pire.
castor aldresse que j'ai faite, mais que j'ai vraiment pas bien réussi. Sinon, il y a la Gulliver qui ouvre demain. Ça fait que trois belles pistes que je vais revenir faire. Ça fait que je vous conseille le Mont SM pour vrai. Super belle place, c'est trippant, j'ai adoré. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode Freeride Québec.